J'ai envie de te parler d'un sujet particulier qui est celui de la mort. Qu'est-ce que c'est la vie avant la mort? Et qu'est-ce que c'est la vie après la mort? C'est un sujet peu discuté parce que nous voyons la vie avant la mort comme une vie qui soit bien remplie, réussie, et une vie que l'on a profité de tout pour pouvoir se dire, ben voilà, j'ai bien vécu. Cependant, la mort arrive et on a toujours peur de ce qu'il y a après. On appréhende en fait. On ne sait pas vraiment dans quelle situation ce sera. Mais la vie elle-même, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Parce que vivre, ça veut dire ne pas avoir de demain, ni d'hier, mais d'avoir juste le moment de maintenant, qui est le seul, qui est vivant. Vivant de la conscience de ce que tu es. Et la conscience de ce que tu es ne vit nulle part ailleurs que maintenant. Tout ce qui est passé et ce qui est du futur ne le concerne pas. Parce que ce qui est passé n'est pas là, n'existe pas. Et ce qui appartient au futur, non plus, n'existe pas dans l'instant où la conscience est, que tout est là, d'instant en instant. Et ça, c'est la vie. Mais est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on est vraiment dans cet instant où nos êtres sont propulsés dans toute une série de pensées qui nous, soit on rumine le passé, soit on projette ce qu'on aimerait avoir. Donc, l'esprit ne vit pas avec ce que la vie prévoit. Il vit avec ce que la mémoire et tout le passé nous a donné de comprendre, de savoir. Et tout ce savoir fait de nous des êtres qui ne sommes pas dans l'action de la vie. Puisque nos esprits sont occupés avec les actions du passé pour les remémorer et réitérer dans l'instant présent et puis le faire valoir dans l'espoir que quelque chose ira mieux. Voilà la vie que nous vivons. Mais cette vie n'est pas animée de la conscience. Il y a comme une machine qui tourne, mais sans la beauté du vivant qui est dedans. Parce que le vivant, comme nous le disions, n'a pas l'attrait du passé. Tout est là, dans l'instant, où tout se meut. Et c'est la vie que, si nous ne la rencontrons pas, cette vie, à la mort, cette vie, elle existe. Et c'est celle-là qui est sans commencement et sans fin. Donc à la mort, quand le corps finit par ne plus soutenir l'esprit que nous sommes, eh bien,
La vie continue. La vie d'instant en instant. Ce qui a toujours été et ce qui ne sera jamais fini. Mais tout ce que tu as vécu, le passé que tu voulais faire en sorte que tu le projettes dans le futur, toute cette activité s'arrête. Cette activité que tu appelles ma vie, la vie de la société, la vie que nous vivons, nous les êtres humains, sur la planète Terre, c'est celle-là. Et celle-là s'arrête. Puisque le temps s'arrête quand l'esprit n'est plus dans le monde du temps. Il n'y a plus que ce qui est là. Et voilà que nous n'avons jamais expérimenté, ou je dirais pour la plupart, très peu, ont expérimenté cet état où la vie n'est rien d'autre que l'instant où tout se passe dans le maintenant, sans aucune tracasserie dans nos têtes, sans aucune projection pour que demain sera quelque chose à notre goût. Et très peu ont cette chance, cette joie, cette grâce d'aller dans cette vie pendant que on est encore vivant biologiquement. Nous attendons seulement quand nous allons à la tombe pour expérimenter ça. Alors que la vie se meut d'instant en instant, ce que tu es ne peut pas jouir des deux en même temps. Soit tu vis la vie que tu aimerais avoir, ou soit tu vis la vie qui existe. Et la vie qui existe, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce mouvement en toi, cette émanation de sincérité, de joie, d'enthousiasme qui coule de toi. Et ça, c'est l'expression du vivant, de quelque chose de vivant et qui ne peut jamais mourir. Donc, à la mort, si tu as vécu ça, si tu as su être vivant pendant ton vivant et expérimenter la vie en tant que vie, vivant, la mort n'a pas grande signification. C'est une messe à faire. Parce que là, tu vas découvrir que tu t'enfermes par tes peurs de voir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc avant de mourir, il faut que tout ce que tu connais, tout ce que tu aimes, tout ce que tu apprivoises dans ton esprit pour pouvoir être bien dans un bien-être, tout ça, il faut le laisser, pour laisser passer cette émergence de la vie et vivre, être vivant, mais pas quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui est occupé avec sa vie pour gagner sa vie, pour avoir quelque chose pour lui. Et quand tu laisses tout ça, avant de mourir, avant d'aller à la tombe, eh bien, la mort, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a que la vie. Et la vie, elle est d'instant en instant. La joie d'être, c'est l'existence
d'une manifestation d'enthousiasme. Et cet enthousiasme, quand elle est là, quand elle passe à travers toi, ce que tu es comme identification à ton passé, à tout ce que tu vis, à tout ce que tu as connu, cette entité qui est ton corps, qui est tout ça, elle n'a plus de valeur face à la vie. Tu ne te donnes plus de valeur. Parce que la valeur que tu te donnes te fait exister pour vivre dans ce monde. Avec la valeur qui est qui va avec. Parce que tout le monde cherche à être valorisé pour exister aux yeux d'un monde dans lequel ils ne veulent pas perdre un seul moment. Mais tôt ou tard, tous ces moments que tu crées, en fait, elles disparaissent. Soit avec la mort, ou soit naturellement, lui-même, il se désagrège. Tout ce qui est futile, tout ce qui est fait d'éphémère, ne peut pas exister. Si elles existent, c'est que nous les faisons exister à travers nos désirs. Et c'est pour ça que nous ne connaissons pas, même pendant que nous sommes vivants, la vie. Donc la vie est à découvrir. Et la mort, c'est vivre. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à laisser la vie être en soi? Toutes ces peurs de la mort, les peurs de l'inconnu, nous empêchent de vivre. Nous avons peur de vivre même. Nous sommes dans l'appréhension de tout. Nous ne vivons pas. Nous spéculons sur la vie et nous rêvons d'une vie. Et nous sommes embarqués dans le rêve qui aussi n'existe pas. Donc reviens à la réalité. Et la réalité, c'est que il n'y a que ce qui existe, qui est là. C'est l'instant présent. Tout ce que tu peux en fait vivre, c'est ça. Et rien d'autre que ce que tu fabriques. Et à ce moment-là, ben, tu expérimentes ce qu'est vivre. Et cette vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Elle est toi-même. Nous sommes la vie. Et la vie est en soi. Nulle part ailleurs. Ailleurs, c'est de l'illusion. Et la vie se passe en soi. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance de soi, c'est le début de la sagesse, de la vie, le début de la compréhension, le début de la fin de l'ignorance.